Coucou les cotonnettes, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec cette petite vidéo qui va donc être ce petit tutoriel coiffure. Donc c'est une coiffure très simple, qui est une coiffure protectrice, donc qui permet donc de protéger ses cheveux en hiver. Et vraiment, voilà. Donc j'espère que la coiffure vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo parce que je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai réalisée. Voilà les cotonnettes, donc je débute sur des cheveux qui sont propres, mais plutôt secs. En fait, dans mes cheveux, là, ce que vous voyez comme petit résidu, c'est parce que j'ai mélangé la semaine dernière deux leave-in conditionneurs qui ne vont pas du tout ensemble. Donc ça m'a fait plein de résidus blancs. Mais bon, j'avais pas le temps ni l'envie d'aller me laver les cheveux parce qu'ils sont propres, somme toute. Du coup, je vais travailler sur mes cheveux comme ça. Alors, la première des choses que je fais, c'est que je réalise une raie sur le milieu de ma tête et ensuite je sépare mes cheveux en trois portions, deux portions à l'avant et une seule à l'arrière. Je viens donc réapporter de l'hydratation avec un leave-in conditioner et une crème que j'applique donc dans mes cheveux. Et ensuite, je m'assure que les cheveux sont bien démêlés parce que comme je vais les tresser, il faut vraiment que ce soit démêlé. Alors moi, mes cheveux, généralement, au niveau des pointes, sont plutôt bien démêlés, mais au niveau des racines, c'est la catastrophe. Donc je vais à nouveau peigner. Et ensuite, sur la portion donc, de l'arrière, je me mets à réaliser des tresses, hein, comme pour un crochet braids classique. Sauf que là, je ne fais les tresses que sur la moitié de la tête. Alors, vos raies, lorsque vous réalisez ces tresses-là, n'ont absolument pas besoin d'être parfaites. Les tresses n'ont pas besoin d'être parfaites parce qu'elles seront masquées de toutes les façons par les mèches plus tard. Vous pouvez réaliser le nombre de tresses que vous voulez. Personnellement, lorsque je fais des crochet braids, j'évite de faire des tresses trop petites parce que faire des tresses trop petites, ça pousse à mettre beaucoup de mèches sur la tête et je n'aime pas avoir la tête lourde. Donc je vais réaliser des tresses qui sont plutôt moyennes, voire grosses. Ici, j'ai réalisé, je pense, 6 ou 7 tresses, un truc comme ça. Et en fait, chaque tresse que je fais, c'est que lorsque je réalise une tresse, je termine donc la tresse et quand je vais commencer la suivante, je vais ajouter donc le bout de tresse qui pend dans la tresse suivante. Je sais pas si c'est très logique ce que je vous dis, mais en tout cas vous le voyez bien à l'écran, ce qui fait qu'à la fin je me retrouve avec une seule natte qui pendouille. Et ce que je vais faire par la suite donc pour la masquer, et c'est ce que je fais pour toutes mes coiffures de crochet braids, c'est que je vais l'insérer donc dans les différentes tresses en m'aidant si besoin de mon crochet pour faire passer les cheveux, et c'est comme ça que les cheveux sont donc positionnés. Je viens ensuite m'attaquer à l'avant de ma tête. Je fais exactement la même chose. J'applique un leave-in conditioner et une crème sur les cheveux. Puis je vais démêler. Et enfin, je vais donc styliser l'avant de ma tête. Je m'assure vraiment que le lait capillaire et le leave-in pénètrent bien dans les cheveux avant de commencer à démêler parce qu'ici je n'ai pas du tout mouillé mes cheveux. Je ne voulais pas que mes cheveux shrink parce que j'ai besoin de toute la longueur possible pour réaliser mes tresses. Et lorsque mes cheveux shrink, c'est un peu plus compliqué. Après, j'ai pas des tresses très très nettes. C'est la raison pour laquelle je ne les ai pas mouillées. Je me sers ensuite d'un peigne à queue, comme on appelle ça, et je fais donc des raies. C'est une coiffure que je veux stylée, mais c'est en même temps une coiffure que je veux rapide, parce que vous le savez, je suis une flemmarde, je n'ai pas du tout envie de passer des heures sur ma tête. D'ailleurs, je me suis tressée littéralement en 2 heures. J'ai commencé à me coiffer, j'avais lancé le film Skull Island, Kong, et j'ai fini de me coiffer, le film, le générique n'avait même pas encore commencé. Donc vraiment 2 heures pour me coiffer et c'est top. Donc je vais réaliser ici une petite natte renversée, comme on appelle ça au Cameroun. Je vous avais déjà fait un petit tutoriel dessus lorsque Kim Kardashian nous avait pondu encore une belle connerie sur les tresses. Donc ce qu'on appelle les renversées au Cameroun ou simplement les nattes couchées en France. C'est les tresses donc que j'appelle les tresses en dehors. Et ensuite, sur les grosses portions de cheveux qu'il reste, je vais donc faire des tresses en dedans. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Simplement parce que je trouve que le mélange des deux types de tresses donne un rendu qui est plutôt stylé et du moins qui est moins conventionnel que le fait de ne faire que des tresses en dehors sur l'entièreté de la tête. Voilà, ça donne un petit côté edgy, un peu funk, enfin bref, voilà quoi. Je trouve ça stylé, c'est tout.
Donc, les tresses en dedans sont plutôt assez simples à réaliser, mais si vous voulez un tutoriel, n'hésitez pas à le dire. La dernière fois que j'ai proposé d'en faire un, je crois qu'il y a une seule personne qui a répondu, et honnêtement, je vais pas faire toute une vidéo si ça n'intéresse personne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rien. Simplement que je continue exactement la même chose, donc sur le reste de ma tête. Donc, je vais d'abord faire une petite tresse collée, donc en dehors, donc une petite renversée. Et ensuite, je vais faire une grosse crochet. Au Cameroun, on appelle les tresses en dedans les crochets. Voilà. Honnêtement, sur cette coiffure, vous pouvez réaliser le modèle que vous souhaitez sur l'avant de votre tête. Si les tresses tout en arrière comme ça ne vont pas avec la forme de votre visage, n'hésitez pas à rajouter des zigzags, des formes, etc. Vraiment, faites ce qui vous convient. Lorsque je vous propose un tutoriel coiffure, le but, ce n'est pas simplement de reproduire la coiffure telle qu'elle, c'est également de penser à bien l'adapter à la forme de votre visage, à votre morphologie, etc. Donc, je vous donne une idée et ensuite, vous adaptez l'idée à ce qui convient le mieux pour vous. Voilà. Donc, comme je le disais, en fonction de la forme du visage de chacune, les tresses tout en arrière, ça ne vous ira peut-être pas. Vous aurez peut-être besoin de faire des raies obliques, inclinées, penchées, de faire des zigzags ou autre, de faire des nattes collées ou pas des nattes en dedans. Enfin, vraiment, faites ce qui vous convient. Donc, je tiens quand même à préciser que je suis une des rares personnes qui se tresse sur YouTube face à la caméra pour bien vous montrer tout cela. Donc, merci de me rendre ma couronne. Je n'en peux plus. Si quelqu'un ose me dire que je ne sais pas tresser, vraiment, je ne sais pas d'où cette personne la sort, mais voilà, mes tresses sont nickel chrome. Et quand je vous dis que ça fait des mois, voire même des années que je ne me suis pas tressée et que j'ai littéralement mal au bras parce que je fais ça, mais que j'ai décidé cette année, comme je vous l'ai dit, de reprendre le fun capillaire, donc de me coiffer plus souvent, croyez-moi, après avoir fait ça, j'ai eu envie de souffler pendant une heure, mais bon, j'étais partie lancée dans la coiffure, donc j'ai continué. Voilà, donc j'ai réalisé toutes mes tresses là sur ma tête, j'ai fait des grosses vanilles, donc à la fin, vous allez voir pourquoi. Simplement parce que les mèches que je vais utiliser sont des mèches de vanille, voilà. Donc ce sont mes mêmes vieilles mèches que j'ai déjà utilisées dans mon précédent tutoriel coiffure, donc il y a 2 ans, quand ces mèches-là de Crochet Braid sont arrivées. Personnellement, je ne les jette pas, ça coûte une blinde. Je crois que le paquet coûte 12€ et que j'ai dû acheter 5 paquets ou un truc comme ça. Donc je ne les jette pas, je les conserve, je les lave une fois que je les retire de ma tête et je les range dans un tiroir. Donc aujourd'hui, c'était la bonne occasion pour les ressortir. Je ne saurais plus vous dire quelle couleur j'avais acheté. Donc si vous voulez me poser 3500 questions, je vous invite vivement à passer sur le club des cotonnettes et à lire l'article Crochet Braid sur ces mèches là et vous aurez toutes les informations. Je ne vais pas aller chercher les informations pour vous. Donc ensuite, on réalise un crochet braid classique. Je pense que je vous ai fait suffisamment de vidéos sur les crochet braids pour que vous sachiez comment installer ces mèches. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur ma chaîne et allez voir tutoriel coiffure crochet braid, vous saurez. Donc ce que je fais, c'est simplement que je remplis les tresses de mes magnifiques mèches. Voilà. Honnêtement, à ce niveau-ci, vous pouvez mettre autant de mèches que vous le souhaitez. Ça dépend vraiment de vous. Mettez-en beaucoup si vous aimez avoir la tête plutôt remplie. Mettez-en peu si vous êtes comme moi et que vous vouliez un rendu plutôt slick. Je vous rappelle que je dois aller au travail avec cette coiffure. Et voilà. Donc, sur les petits bouts de cheveux qu'il vous reste devant, si je ne devais pas aller au travail, ce que moi j'aurais fait, c'est que j'aurais fait des bantu knots de mes vanilles là, qui pendouillent pour avoir une coiffure vraiment stylée, vraiment stylisée. Seulement, comme je vais devoir aller au travail, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser certaines mèches de crochet braid que je vais venir crocheter donc sur mes grosses nattes. Là, je crois que j'ai mis deux ou trois tresses par natte. Et ensuite, je vais défaire donc les vanilles que j'ai faites avec mes cheveux parce qu'elles étaient vraiment énormes. Et je vais séparer les portions de cheveux en deux, refaire des vanilles. Et en fait, je vais venir insérer les vanilles dans les vanilles de mes cheveux dans les vanilles avec rajout. Voilà, donc comme vous le voyez là, j'ai séparé mes cheveux en deux et je refais des petites vanilles que j'essaye de bien serrer. Je suis une flemmarde. Honnêtement, ici, j'aurais dû séparer mes portions de cheveux au moins en 3 voire 4 parce que j'ai
des cheveux qui gonflent énormément, mais j'avais la flemme, donc je n'ai fait qu'en deux. Et j'insère en fait simplement la vanille dans la mèche de cheveux violet de Crochet Braid. Aussi simple que ça. Voilà. Et le rendu est mieux si vous faites des vanilles plus fines avec vos cheveux. Mais comme je vous l'ai dit, perso, j'avais la flemme. J'avais juste envie d'être coiffée, que la coiffure soit stylée et que je me casse de là, que j'aille me promener ou faire autre chose. Mais voilà. Donc, je sépare les cheveux, je refais mes vanilles et je viens crocheter des mèches. Voilà, comme vous le voyez là, je rajoute des mèches, etc. Et je coince mes cheveux dans ces vanilles-là. Aussi simple que ça. Et vous êtes littéralement coiffé. Donc, pensez aussi aux accessoires capillaires, donc des petits bijoux en or, des choses comme ça que vous pouvez rajouter. Honnêtement, la coiffure là que je vous propose, c'est vraiment une base. Et après, laissez votre imagination parler. Je vous le dis tout le temps, en matière de coiffure, il est question de laisser son imagination parler. Personnellement, je n'ai pas rajouté de bagues en or, etc. parce que je travaille dans un milieu très, très, très corporate en ce moment. Donc, le moins j'en fais, le mieux c'est. Mais voilà, la coiffure est magnifique. Vous allez venir par la suite donc travailler vos baby hair avec un edge control, vous maquiller, vous coiffer, faire ce que vous voulez. Mais voilà le rendu en 2 heures, vous êtes coiffé. Voilà les cotonnettes, je vous embrasse. Je vous mettrai plus de photos de la coiffure sur le club des cotonnettes. J'espère que cette coiffure vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce haut, à vous abonner, à partager, à inviter vos copines à s'abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.